Salut à tous, c'est Joachim de Cadrage. Comme à mon habitude, je suis en train de faire mon introduction dans la voiture, pour pas changer, hein. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que on va aller au salon de l'auto à Bruxelles. Si vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture ou bien si vous avez l'envie de découvrir ce qui se passe, je vous propose de me suivre. Allez, à tout de suite. Sur le coup, j'ai été chercher Simon qui se trouve à côté de moi. Dis bonjour. Alors Simon, je fais un peu sa pub. Il est journaliste rédacteur pour Rallye 054. Si vous kiffez le rallye, si vous kiffez les grosses vidéos bien stylées, je vous invite à aller voir cette chaîne, ça sera dans la description. Sinon, nous voilà au salon de l'auto. Et c'est parti. Alors, petit aparté rapide, écoutez, tout se passe bien, le salon d'auto, c'est sympa. Là, je suis en route pour aller chercher des batteries dans la voiture parce que j'ai plus de batterie dans l'appareil. J'ai aussi perdu la molette de mon micro. Alors, désolé pour le vent, malheureusement, je ne suis pas maître du temps. J'aimerais bien, mais voilà. Sur le coup, c'est parti pour prendre les batteries et de retour au salon. Régler la couleur. Hop, multicolore, on a le mode. Alors tout change ici. Hop, imaginons, je vais mettre du bleu, ça devient bleu. Donc voilà pour la vidéo. Je fais l'outro ici tout simplement parce que, étant super fatigué, j'ai complètement oublié d'en faire une au salon de l'auto. Une autre mésaventure qui m'est arrivée, j'ai paumé la bonnette du micro de mon appareil photo. Il est tout simplement parti, donc j'ai cherché dans mes affaires, il n'y est pas, et à mon avis c'est volatilisé au salon de l'auto. Ça va être un achat en plus. Le salon de l'auto dans sa globalité était vraiment cool. J'ai rencontré l'équipe de Lubrequin avec Pierre et Sylvain qui étaient hyper cool. On a un peu discuté, ils étaient en mode pépère, c'était sympa. J'ai rencontré Pog aussi, mais je l'ai fait que le croiser, malheureusement j'ai pas pu faire de photos avec lui. N'hésitez pas donc à vous abonner, laisser un commentaire, mettre un j'aime. Et voilà, à la prochaine. Pour export.
C'est pour mettre la voiture au bled, ça. Voilà. bon, c'est parti.